Bate.
You're
I am
Déjà, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être venu et merci d'être parmi nous. Ça me touche beaucoup, ça me touche énormément. Vous m'entendez? Ouais, je disais merci beaucoup d'être venu, merci d'être parmi nous ce soir. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait si vous n'étiez pas là, si toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, les appels et tout, franchement, ça me touche beaucoup, énormément. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est réunis ici pour mon petit frère, déjà. Pour vous, certains, ce sont des petits frères, c'est un enfant, c'est un neveu, c'était vraiment une personne pour nous qui va vraiment nous manquer. Je suis désolé, à un moment donné, je ne suis pas forcément ému. Donc, qu'est-ce qu'il va dire sur lui? Lui, c'était le gamin qui était tout le temps à côté de moi, tout le temps, il ne le quittait jamais. Sauf au moment où je suis parti à Lyon pour mes études et tout. Il est resté ici, il a commencé à faire sa vie. J'étais très 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 fier de lui et il a toujours été très famille, toujours très proche de la famille, toujours très proche des parents, toujours en train de parler avec les parents. Pour la nouvelle génération, je trouvais ça même, on peut dire, c'était trop, mais lui, il était vraiment, vraiment à fond, surtout avec les enfants. Il prenait tout le temps de nouvelles de tous les enfants, comment est-ce qu'ils allaient. Il était très à fond dans ses études. Et il a même réussi à aller très, très loin. Et je suis très fier de lui, je lui l'ai dit. Je lui ai dit même la dernière semaine avant qu'il ne parte pour son travail. Il avait juste un petit regret, c'est de ne pas avoir fait un truc avec moi, comme de le faire ensemble. Mais on se reverra peut-être dans une autre vie. Et il me dira ce qu'il aura à me dire. Mais pour tout ce qui est ici, qui avait un souvenir de lui, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous le garderez dans vos prières, parce qu'il vous aimait, beaucoup. Certes, il n'appelait pas, certes, il ne lui bougeait pas. Il avait honte à certains moments. Pardon. Mais il était très présent, très, très présent dans nos vies. Donc, j'espère vraiment que vous lui ferez un grand hommage et que vous penserez à lui, matin, midi, soir, et que vous penserez à lui, que vous prierez pour lui. Merci beaucoup. Merci. Je laisse la place. Bonsoir. Je me permets de prendre la parole au nom de la famille Kéoua, qui vous remercie infiniment d'être venu en ces lieux dans lesquels nous assistons cette grande famille Tiramila qui a perdu effectivement un fils. Et nous vous remercions de votre présence ici présente. Alors, je voudrais pas m'éterniser pour prendre la parole car nous savons tous qui a été Eric Tiramila. C'est un garçon très aimable, très jovial. Les mots me manquent même parce que pendant son séjour au Panama où il est parti, parce que c'est un analyste financier, très doué dans son travail. Il a été affecté dans plusieurs pays et le dernier qu'il a pu visiter, c'est Rio de Janeiro. Alors, pour les nouvelles qui ont fait circuler, qui disaient que le Loïc s'était donné la mort, c'était archi faux. D'après les examens de médecins de l'Institut médical, ce qu'ils ont pu bien détecter, c'est que M. Louis Bernard Fiorentino a été assassiné avec une arme blanche. Certainement qu'il tente de regarder la télévision, mais ils ne les aiment plus, qu'ils ont fracassé le crâne. Alors, cette douleur est très profonde qui nous tient tous. Je ne me permets pas de beaucoup parler parce que j'ai des mots de manque même. Car il est parti à 32 ans d'âge et plein de promesses, plein de projets. Tout ce que je vous dis, c'est le corps qui est mercredi pour aller à Baza en traversant par Paris. Et les funérailles certainement seront faites vendredi à. Je sais dans quel village c'est encore Maïtoukou. Donc, nous demandons vos prières de soutenir la famille. Déjà, le soutien que vous nous apportez est très inconfortant pour nous. Je ne pourrais pas encore parler parce que les mots nous manquent pour décrire ce qu'était ce garçon. Mais je peux vous dire merci. Merci à vous tous.
et en comprenant le milieu dans sa dernière douleur. Et vous voulez de plus, la mort, elle est serrée. On ne peut pas la guérir. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je me permets de prendre la parole. Déjà, je tenais à remercier tout un chacun pour votre présence en ce lieu. Mais comme la Bible nous dit, en circonstance, il faut rendre grâce à Dieu. On va juste prendre un moment pour rendre grâce à Dieu. Et nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de cette soirée. Parce qu'on ne sait pas, tout peut se passer. Nous allons simplement prendre un temps pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Déjà parce que nous, il nous a gardés et il a permis que nous nous retrouvions en ce lieu. Donc nous allons simplement prendre un moment pour rendre grâce. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous devons te rendre grâce. Combien même, Père éternel, nous sommes affectés. Nous voulons simplement te rendre grâce. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui nous permets de nous retrouver en ce lieu encore ce soir pour rendre hommage à notre frère, notre fils et notre neveu. Père, que tu prennes le contrôle encore ce soir. Père, toi qui es le consolateur par excellence, que ce soir encore, Seigneur, que tu sois celui qui console les cœurs. Père, les mots ne suffisent pas, nous le savons. Mais toi seul es capable, Père, de consoler un cœur meurtri. Regarde, Père, toutes les personnes qui sont venues nous soutenir en ce lieu, que toi seul, Père éternel, prenne soin de tout un chacun. On laisse que ta présence en ce lieu, Père éternel, demeure, afin que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse, Père. Laisse que ton Saint-Esprit, ô Père, prenne le contrôle de cette soirée, afin que tout se passe, Père éternel, dans tout. Donc, afin que tout se passe, Père éternel, selon ta seule volonté à toi. Père, nous te rendons grâce encore, Père, que tu sois au contrôle de toutes choses. Et nous te disons trois fois Amen, 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 Amen. Merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
C'est une journée très émouvante. Nous partageons ensemble ces moments très difficiles. Pour moi, en premier lieu, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont là. Ces personnes sont venues nous assister, qui nous soutiennent moralement, et ceux qui nous ont écrit de loin. Parce que Loïc, c'était quelqu'un de très exceptionnel. Il était différent. Il était unique. J'ai voulu... C'est vraiment dommage, mais... J'aurais voulu encore... passer assez du temps avec lui. Mais bon, comme on dit ainsi, va la vie. Il reste dans nos cœurs, il reste dans le cœur de chacun de nous. Et j'aimerais juste vous faire comprendre que l'amour vint toujours, aimez-vous,
On ne sait pas ce qui nous attend demain. Aimez-vous, profitez de la vie. Aimez les gens qui tiennent à vous, les familles, les amis qui vous soutiennent. Profitez en tout cas de la vie. Et surtout, mettez le Seigneur au centre de chaque décision que vous prenez dans votre vie. Au centre de votre vie. Il n'y a que ça qui va vous mener vers la gloire. En tout cas, c'est une journée très difficile. Mais bon, on tient le coup. On tient le coup. Tout d'abord, c'est un moment un peu spécial parce que on ne s'attendait pas à se retrouver pour le décès de notre frère. C'est assez jeune, donc on n'est jamais préparé à ça. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que notre famille est grande, notre famille est précieuse et elle est soudée. C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir se rapprocher, savoir oublier les rancœurs qu'on avait avant et repartir de l'avant. La mort de notre frère, l'assassinat, parce que on ne sait pas grand-chose, mais tout ce qu'on sait, c'est que voilà, ce qui lui est arrivé, c'est assez brutal. Ça va nous servir de leçon, nous dire que il faut pas attendre ce genre de moment-là pour qu'on puisse se rassembler. Voilà. Il faut rendre hommage aussi aux personnes qui sont mortes en étant encore plus soudés que d'habitude, qu'on prenne vraiment soin les uns des autres. Ça pourrait éviter ce genre de choses-là. Et voilà. Et un mot pour mon frère qui est décédé. Sache qu'on pense beaucoup à toi. Ces dernières années, je n'ai pas passé de temps avec toi, mais sache que dès qu'on s'est revu, c'est comme si on s'était quitté hier. C'est un mot bateau, mais ce n'est qu'un au revoir. Et j'espère qu'on te verra bientôt. Peu importe où tu te trouves. Je t'aime, mon frère. Bonsoir tout le monde. Il est pratiquement 3h21. Nous sommes ici en train de célébrer la veille du décès de notre neveu Loïc Bernard Tchimamelela. Tout s'est bien passé. C'est très difficile de venir à une veille d'un être cher que nous connaissons. Donc on ne peut rien, il fallait le faire. Et on l'a fait, mais avec beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Ça aurait mieux d'être un anniversaire, mais malheureusement, c'est un décès. La mort n'a pas d'explication. C'est quand même un mot qui est très fort, qu'on ne peut pas prononcer, même dans le rêve, on ne peut pas digérer ce mot-là. Mais tout simplement, je voulais remercier toutes les personnes qui sont arrivées, qui nous ont assistés tant matériellement, physiquement. Et je remercie aussi tous ceux qui sont venus, qui ont appris cela par personnes interposées, à qui on n'a pas pu envoyer les faire part. Je leur remercie aussi. Et je remercie toutes nos sœurs, nos belles sœurs, nos mamans qui ont contribué à ce que cette cérémonie puisse bien se passer. Parce qu'il y a eu pas mal de petits poivres, comme on le dit, toujours dans les genres de situations pareilles. C'est un décès, donc c'est pas évident que les gens viennent préparer pour que les gens mangent parce qu'un tel est décédé, ou que les gens puissent acheter la boisson pour venir boire parce qu'un tel est décédé. C'était très 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 difficile qu'on puisse se coordonner à ce sujet. Mais je ne peux pas aujourd'hui m'éterniser pour dire encore un mot pour Loïc que vous connaissez, que vous avez connu. Parler au passé de Loïc, cela me dérange pas beaucoup. Sinon, c'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié, un neveu, sur qui j'avais beaucoup d'espoir, parce qu'il avait beaucoup de projets en tête. Quand il était au Panama, il m'écrivait beaucoup. À chaque dimanche, on s'écrivait. Et on avait un projet commun qu'on devait faire à Pointe-Noire. Et il m'avait confié cette mission, effectivement. Mais ne t'en fais pas, Loïc, je veux faire ce projet. Et je pense que si Dieu m'inspire, il y aura ton nom là-dessus pour garder ta mémoire en vie. Merci à vous tous, merci de votre présence et je vous dis à plus tard.